Bonjour à tous, ce que je vous propose ce soir est une loupe en fait, équipée d'un socle qui permet de s'en servir comme d'une lampe d'appoint, une lampe de chevet. Retirée de son socle, on voit bien la fonction loupe avec deux lentilles, la centrale d'un diamètre mesuré de 85 mm avant les bords, je dis bien le diamètre de la lentille, et une petite sur le côté avec un grossissement de x6, contre x3 pour la grosse lentille. Alors la netteté est très bonne. Le seul petit point peut-être critiquable, mais ce qui n'est pas un souci à l'heure actuelle, est que la lentille est en matière plastique, donc plus sujette aux rayures que du verre. Pour le reste, elle est vraiment très très bien. Vous avez donc la lentille qui est pourvue de 16 petites LED autour, avec 3 niveaux d'intensité. Vous démarrez en faible, en moyen et en fort. C'est une touche sensitive, on appuie simplement pour arrêter. Franchement, la prise en main est excellente, elle n'est pas lourde. C'est vraiment un outil très pratique à l'usage. Le grossissement est bon, vous voyez, on voit vraiment très bien avec. C'est vraiment pour vous donner une idée du grossissement. Voilà ce que ça donne en x3 et en x6. Alors là, avec le téléphone, on n'aura pas de mise au point, mais c'est vraiment très net. Franchement, encore une fois, un outil très pratique au quotidien. Voilà, pour tous les besoins, vraiment. Elle est bien faite. Ah, je l'ai oublié de dire. Elle est livrée avec en plus un câble USB type C pour sa recharge, ce qui fait qu'on n'a pas à se soucier du sens de branchement du câble. La batterie donne 2 bonnes heures d'autonomie. Et vous avez aussi une petite chiffonnette en microfibre pour nettoyer la lentille. Voilà.